Lors de mes premières sessions de coaching, généralement, je me rends compte que les élèves que j'ai, les clients que j'ai, ils ont quand même mis longtemps à passer à l'action, c'est-à-dire à se dire « Ok, je me lance pour créer mon entreprise ». Et souvent, quand je creuse un peu, que je pose des questions, je me rends compte que tout ce qu'ils pensaient, ils avaient beaucoup d'idées fausses et c'est ce qui les a retenus en fait d'agir. Et donc, à la manière de Max Bird, qui dénonce les idées reçues sur le monde animal et scientifique, je voulais vous parler des principaux mythes qui planent, les idées, les fausses idées qui planent autour du marketing, alors qu'ils sont soit vraiment faux ou pas tout à fait exacts. Vous êtes prêts? C'est parti! Alors, le premier mythe du... Alors, la première idée reçue du marketing, c'est le marketing, c'est de la publicité. Combien de fois, à chaque fois que je dis que je fais du web marketing, alors c'est encore pire, on m'explique les publicités Google. Heureusement que c'est pas que ça. En plus, c'est un domaine qui ne m'intéresse absolument pas. J'aime pas du tout. Donc oui, je sais faire, mais si je peux éviter, c'est mieux. La promotion fait partie du marketing. Mais la promotion, c'est un des 7 piliers majeurs du marketing. Donc il y en a 6 autres. Et en plus, on parle des grandes familles. Et en plus, la publicité, c'est qu'une petite partie de la promotion, qui est donc elle-même une de ces 7 grandes familles. On est loin que ce soit uniquement le marketing réduit à la publicité. Hein. En plus, quand on sait qu'une personne doit avoir à peu près 7 interactions avec votre produit ou votre service avant même de pouvoir intégrer son action, ses bénéfices et de se dire qu'ils vont acheter chez vous, vous imaginez bien que les efforts marketing, donc en publicité, ben, ça va vous coûter un petit peu cher. Et puis en faisant uniquement ça, vous allez manquer des dizaines et des dizaines d'autres moyens de faire de la promotion, bien moins cher justement, et puis peut-être même plus efficace. Encore une fois, hein, les gens doivent faire l'expérience au moins 7 fois de votre produit avant de se dire qu'ils vont acheter. Un chiffre compliqué, hein. Alors justement, ça me permet de faire le lien sur la deuxième idée reçue, le marketing, c'est compliqué. Alors oui, on peut étudier le marketing pendant des années, il y a plein de concepts différents et en plus d'un pays à un autre, ça peut changer. Ne serait-ce que parce que les techniques peuvent être différentes ou les codes aussi, les codes, les couleurs, les traditions qui font que le marketing va être différent. Mais fondamentalement, la psychologie humaine, qui est quand même une des pierres angulaires du marketing, elle est universelle. Et donc pour une petite entreprise, en tout cas pour un entrepreneur qui démarre, non, le marketing n'est pas compliqué, c'est facile. En gros, l'objectif, c'est de placer le besoin de votre client idéal au cœur de tous vos processus, de toutes vos communications, de tous vos messages, de votre offre, tout. Donc à partir du moment où vous connaissez votre client idéal, eh bien vous allez pouvoir construire la totalité des actions marketing qui vont autour. Tout simple. Ensuite, votre autre objectif de marketing, c'est de vous faire connaître, forcément. Et donc, il faut gagner en crédibilité, en expertise, en visibilité sur votre marché. Et encore une fois, pour une entreprise qui démarre, pour une petite entreprise, c'est un processus relativement simple. La troisième idée reçue, c'est que le marketing demande une créativité constante. Et en fait, on se rend compte par rapport à cette idée, cette fausse idée, qu'il y en a plusieurs en fait réunis qui font cette grande idée. Premièrement, non, vous n'avez pas besoin d'innover constamment en marketing. En fait, il y a même certains avantages à garder les choses constantes. Attention, je ne vous dis pas de jamais remettre en cause ou réorienter ou retravailler votre marketing. Mais vous ne devez pas, à chaque message que vous faites, faire quelque chose qui soit complètement différent du premier message. Parce que l'objectif, encore une fois, c'est que votre client il vous reconnaisse. On parle de notoriété spontanée. Alors, on n'y est pas encore quand on démarre, mais c'est l'objectif. Et donc, il faut avoir un message qui soit constant et cohérent pour garder votre image de marque. Si vous regardez des marques comme Apple, Coca-Cola, des grandes marques comme cela, qui ont donc une forte image de marque, au-delà de ce qu'elles proposent, vous constaterez qu'au fil des années, elles se sont adaptées aux modes, mais elles n'ont pas réellement beaucoup changé d'un point de vue marketing. Et donc, vous n'avez pas forcément besoin d'être créatif. Alors, si vous l'êtes, c'est parfait, c'est génial. Mais regardez plutôt ce qui fonctionne, essayez de l'adapter à votre entreprise et générez de l'engagement. C'est ça votre objectif. Parfois, il n'y a pas forcément besoin de tout réinventer. Ce qui fonctionne, réutilisez-le et le mettez-le à votre sauce. Je ne vous dis pas de copier vos concurrents, hein, absolument pas, hein, ça ne sert à rien. Mais voilà, les techniques marketing et stratégiques qui existent et qui fonctionnent extrêmement bien dans un moment et dans un temps précis, utilisez-les.
Donc avant d'être créatif, il vaut mieux être un bon observateur et quelqu'un qui sait analyser. Donc mon conseil, c'est de garder votre image principale et ensuite de l'adapter avec votre client idéal. Alors l'idée reçue numéro 4, c'est celle que j'entends le plus. Le marketing donne des résultats instantanés. Eh non, malheureusement, ce n'est pas magique. Et je crois qu'en fait, c'est la phrase que je répète tout le temps à mes clients. Non, ce n'est pas magique. Attendez, soyez patient, faites des efforts, continuez, gardez votre motivation. Le marketing consiste à positionner votre entreprise et attirer les bonnes personnes, établir des relations et nourrir vos clients potentiels. Et ce, tout au long du cycle de vente. Donc, ça peut, selon vos produits, selon vos services, selon votre marché, selon vos clients, ça peut être un processus plus ou moins long. Et il peut être utile de considérer le marketing comme un entonnoir. Vous devez mettre beaucoup d'eau en haut, c'est-à-dire vos prospects, pour obtenir parfois un tout petit débit en bas, c'est-à-dire vos clients. Et on est bien d'accord que si vous arrêtez de verser de l'eau en haut, eh bien, vous n'allez avoir aucun client en bas. Et donc, ça peut prendre un certain temps pour que les gens passent par cet entonnoir qui est donc votre tunnel de vente. Donc, l'objectif, si vous voulez avoir un flux de trésorerie, un flux de clients, c'est d'être dans un marketing cohérent, d'avoir une vraie stratégie marketing cohérente tout au long de l'existence de votre entreprise, en fait. Elle ne s'arrête jamais. L'idée reçue numéro 5, c'est que le marketing et le commercial, c'est la même chose. Bah là encore, c'est faux. En fait, oui, le marketing et le commercial sont étroitement liés. En fait, il y en a un qui va servir l'autre. Mais en réalité, ce sont bien deux activités différentes. Et ça peut être une erreur très coûteuse de penser le contraire. Le marketing, c'est le positionnement, la génération de prospects et la satisfaction de vos clients. Alors que la commercialisation, les ventes, c'est utiliser ce que le marketing a mis en place pour générer des leads, dégénérer des prospects, et de ceci, en faire une vente et un accord concret. Donc, c'est transformer les prospects que le marketing a apportés en clients. Parce que oui, il est assez peu probable que vous arriviez à vendre à quelqu'un qui ne connaît rien de votre entreprise. Si la personne à qui vous vous adressez ne sait pas quelle valeur vous pouvez lui apporter, donc qu'elle n'a pas vu avant vos messages grâce au marketing, vous n'allez absolument rien lui vendre. Donc le marketing sert le commercial. L'idée reçue numéro 6, c'est qu'en fait, quelque chose vaut mieux que rien. C'est-à-dire, bon, bah, même si je ne travaille pas beaucoup mon marketing, je vais faire un peu par-ci, un peu par-là, puis ça va fonctionner. Bon, rien qu'en le disant, vous avez compris que non, ce n'était pas possible. Comme je disais dans l'idée reçue numéro 4, le marketing, ça demande de la planification, du temps, de la réflexion. Mettre quelque chose comme ça ici, sans réfléchir à qui, quoi, quand, comment, où, etc., ça ne fonctionnera jamais. C'est juste des efforts qui ne servent à rien. C'est une perte de temps, perte de ressources, et même qu'au fil du temps, les gens vont vraiment se détacher de ce que vous faites et vous pourrez donc finalement presque tout recommencer à zéro. Encore une fois, le marketing n'a pas besoin d'être compliqué, d'accord? Un marketing adapté à vos besoins clients et planifié, ça suffit. Le mythe, l'idée reçue du marketing numéro 7, c'est que votre site web suffit comme outil marketing. Alors, il y a de nombreux entrepreneurs qui prennent le temps de faire leur propre site web avant de créer leur entreprise, enfin avant de se lancer et d'être visible. Et c'est très bien. Mais là encore, rien de magique. Votre site web, c'est votre vitrine de ce que vous proposez. Donc, c'est utile pour conforter le client, pour qu'il voit ce que vous avez une fois qu'il a entendu parler de vous. Donc déjà, ce n'est pas obligatoire pour toutes les entreprises, pour toutes les activités. Et une fois que votre site est en ligne, en fait, c'est là que commence le vrai boulot. Parce qu'avoir un site web, ça ne va pas vous apporter plus de prospects et vous faire faire plus de ventes. Pas du tout. Vous devez encore une fois avoir une vraie stratégie marketing, avoir des vraies campagnes qui finalement redirigent vers votre site web, là où se trouve l'action finale. L'achat en ligne, rentrer un email, faire une demande de devis, ce que vous voulez. Mais tout avant, il y a un processus, encore une fois un tunnel de vente, qui va amener le prospect, le futur client, jusqu'à votre site internet, là où c'est l'étape finale. Donc, ce n'est pas le site web qui attire du trafic. C'est vous qui allez générer du trafic vers votre site web. Ce n'est pas du tout la même chose. Donc, votre site web, c'est une partie de votre stratégie marketing. Alors, l'idée reçue numéro 8, c'est qu'il faut tout simplement copier-coller tout ce qui fonctionne. On en parlait un peu tout à l'heure. Le piratage total, c'est-à-dire on regarde quelqu'un qui fonctionne, on copie-colle tout pareil et on essaie de vendre comme ça peut être dangereux.
Premièrement, ben, vous ne savez pas si leur tunnel fonctionne. C'est pas parce que le site est joli, c'est pas parce qu'ils parlent bien que tout ça, ça fonctionne. En plus, vous ne savez pas si derrière, il n'y a pas un vrai budget marketing, quelque chose avec des vraies grosses dépenses qui fait que finalement, ils n'atteignent pas vraiment leur seuil de rentabilité. Donc, à moins que vous sachiez exactement ce qui se cache derrière leur campagne, vous allez finalement avoir beaucoup de mal à juger si ça fonctionne vraiment. Deuxièmement, il n'existe pas vraiment d'entreprise complètement identique. Ne serait-ce que par leurs dirigeants, les valeurs, les produits, certes, mais il y a toujours quelque chose qui est différent. Et donc, ce qui va fonctionner pour quelqu'un, donc quels que soient les budgets, tout ça, ça ne va pas forcément fonctionner pour quelqu'un d'autre dans le même secteur d'activité. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est vous inspirer, bien sûr, hein, c'est une évidence, peut vous inspirer de stratégies que vous voyez dans le monde des affaires et ensuite l'adapter à votre stratégie à vous. Et dans tous les cas, vous devez tester. D'accord ? Donc, vous testez chaque étape et vous analysez et vous améliorez. Parce qu'en fait, être clair sur vos objectifs, connaître vos clients et adapter une stratégie en fonction, c'est vraiment ce que vous pouvez faire de mieux. Ça peut prendre peut-être un peu plus de temps que la campagne copier-coller, mais finalement, le succès, il est un peu plus garanti. Donc, je me répète un peu, mais la meilleure stratégie marketing, c'est celle qui est alignée à la fois sur votre entreprise et à la fois sur votre client idéal. Voilà pour les 8 idées reçues par rapport au marketing. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, on lâche un petit pouce, on s'abonne ici. Et sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Je vous fais plein de bisous. À bientôt. Bye bye.